Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour un petit fan game, ou plutôt même plus précisément un homebrew DS, et pas NES, j'ai l'air de la merde, un homebrew NES Aguna Warriors of Virtue que j'ai trouvé et qui plaît beaucoup. Il y a plein de choses à dire dessus et bah, je vais en parler pendant que je vous montrerai un peu de gameplay dessus. Grâce à votre chance, vous avez été capturé par des monstres. Encore. Vous étiez en mission pour trouver et battre le dragon leader des monstres, mais vous y êtes allé et vous êtes fait capturer. Par chance, vous avez toujours votre épée dans votre main. Maintenant, tout ce que vous devez faire est de tuer ces horribles gardes et sortir d'ici et continuer votre mission. Voilà. Donc, je vais mettre pause. Alors, Aguna Warriors of Virtue est un jeu qui s'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de Zelda. Donc, ce serait un Zelda-like, mais il y aurait une grosse inspiration dessus. Alors, parlons un petit peu du jeu. Ce que vous voyez sur l'écran supérieur, c'est le jeu avec marqué en haut à gauche votre barre de vie et en haut à droite l'objet qui sera en emplacement rapide que vous pourrez utiliser avec B. Sur l'écran inférieur, vous avez vos stats, à savoir votre vie, votre attaque, votre défense, les clés de différentes couleurs qui vous permettront d'ouvrir des portes comme ceci, qui seront utilisées à chaque utilisation. Vous avez votre monnaie, comme ceci. Et avec les touches L et R, vous avez droit, vous pouvez vous déplacer dans les différents menus. Par exemple, si je suis dans R, j'ai la map. Et si j'appuie sur R, j'ai les monstres. Alors, les monstres, c'est assez important parce que lorsque vous battez contre un monstre, il y a ses points de vie qui s'affichent, ainsi que son nom et ses dommages. Ainsi que les informations qui pourront être utiles pour une stratégie à adopter. A savoir que ce jeu existait au départ en version GBA. En version GBA, c'est-à-dire que un seul écran, et pour accéder au menu de l'écran inférieur, c'était en appuyant sur Start et en défilant avec bouton L et R. J'ai hésité à vous montrer la version GBA, même si appuyer à chaque fois sur Start pour vous montrer tous les menus et naviguer dedans, c'est compliqué. Du coup, j'ai préféré vous montrer celui-ci. Et Warriors of Virtue, c'est un jeu que je trouve excellent. S'inspire énormément de Zelda, certes, mais pour y avoir joué dans mon coin une bonne heure, c'est un jeu à essayer. D'autant que ce jeu, en plus d'être homebrew, est disponible en format physique avec sa boîte, sa cartouche, pour une trentaine de dollars sur le site de... Alors je ne sais plus exactement le nom du site. Et si ça vous intéresse, je vous passerai tous les liens dans la description ainsi que le lien pour l'acheter. Alors pour éviter de trop vous en montrer, je vais m'arrêter juste après un premier boss. De toute façon, je sais exactement quel boss je vais m'arrêter. A savoir aussi que ce jeu est quand même assez dur, assez compliqué. Voilà, par exemple, ceux-ci sont assez compliqués. Et cet ennemi vient de drop un objet. Un objet qui, si je vais dans item, c'est une potion de vie. Alors ça, c'est pas ce que je voulais faire. Donc start, c'est pour la pause. Et select, c'est pour sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment dans un donjon, tant qu'il n'y a pas d'ennemi dans la salle où vous êtes. Vous pouvez sauvegarder quitter ou vous pouvez sauvegarder continuer. Enfin, je vais sauvegarder. A savoir aussi que ce que je vais vous montrer là, c'est juste le premier donjon. Il y en aura d'autres que je vous laisserai découvrir. La monnaie du jeu servira à acheter différents items. Des items, que ce soit des items de soins, des power-up, et ou bien que je vais crever, donc utilisation de potions, ou bien des armes pour des ressources pour des armes secondaires, ou bien des power-up de vie, parce que dans ce jeu la vie s'achète, c'est bien connu. Quand même essayer d'éviter de crever, ce serait quand même ballot. Les objets certains objets peuvent se casser,
Et comme vous, si vous l'avez, si vous avez suivi, les monstres peuvent dropper de la vie et des golds. A savoir qu'il y a d'autres moyens de dropper des golds, que ce soit en farmant des ressources ou en tuant des divers ennemis spécifiques. Alors par contre, je vais laisser sur sur ennemi parce que je veux savoir les points de vie que j'enlève à chacun. Ah, et là on va arriver à un premier boss du coup. Là je reconnais la salle. Du coup le but ça va être non seulement d'y arriver sans problème mais si possible avec une vie au max. Donc du coup faut que je drop un bon un item spécifique. Bon je ne l'ai pas et d'ailleurs je n'ai pas l'arme qu'il faut. Il y a une arme que je dois absolument avoir pour ça. Ah voilà, donc ça c'est le loot qu'il me fallait, à savoir de la viande. Mais surtout, il me faut l'arc et les flèches. Le jeu est quand même assez dur. Mais on passe quand même un bon moment dessus. Le seul, y a quand même un souci, c'est lorsque je me déplace, la caméra ne reste pas au centre, ce qui est dommage. Ah, reviens. Voilà. Et normalement, dans la salle, juste à droite, après avoir tué tout le monde, notamment ces ennemis-là qui sont complètement pétés. Parce qu'ils sont bloqués à cause d'un mur. Paf, récupération de donc de l'arc et de flèches. Les flèches maintenant à chaque fois que vous aurez quand vous aurez cette arme maintenant les monstres peuvent dropper des flèches lorsque vous les tuez. Attention cependant à la touche B parce que si vous avez un objet que vous ne voulez pas qu'il soit équipé, vous allez l'utiliser. Là par exemple si. Faudrait juste que je te... Non, je peux pas te tuer. Là maintenant, faudrait que je drop un max de flèches. Parfait. Donc chaque drop récupère 5 flèches. C'est un drop fixe. Et de la viande, ça c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer le boss. Alors le boss quand même, pour un premier boss, il est assez compliqué, notamment au niveau de ses patterns et de ses attaques. Même s'il a une très très grosse collision, une très très grosse zone de collision, c'est compliqué. Bon là j'ai la porte, je ne peux pas y aller pour le moment. On voit bien sur la map qu'il y a quelque chose pourtant. Peut-être que je pourrais y aller en tuant le boss. Ouais, faudrait que j'aille en tuant le boss. Aïe. Bon, quelques points de vie en moins, c'est pas grave. Alors, le premier boss qui est une tête de dragon. Alors, dès que vous touchez un ennemi, vous voyez tout de suite ses points de vie, c'est dommage. Voilà, donc là, si je me démerde de mal, je vais crever. Là, ça va, il a encore une bonne hitbox. Ça reste encore faisable. Bon, et là, on bourre. Voilà. Donc j'ai une clé, j'ai droppé. Alors là on pourrait croire que le dragon était pas super super dur comment je l'ai fait. Mais je vous assure que quand vous y jouez la première fois, c'est compliqué. Voilà, j'ai essayé de sauvegarder et je ne peux pas.
Et je vais bientôt mourir si je n'ai pas de soins. Je vais bientôt crever. Alors, à savoir que la mort dans le jeu n'est pas, n'a pas de pénalité, si on peut dire comme, si on peut dire ça. En gros, vous allez juste revenir à la zone, non pas où vous êtes mort, mais à la. Alors, ça dépend soit à l'entrée de zone, soit juste à côté de la grotte où vous étiez. Ah, il y a de la viande là. Oh oui, je l'ai. Et voici la map. La map qui est quand même assez grande. Le jeu se compose de 6 donjons. Donc je pense que pour un joueur qui ne connaît rien, il y a aux environs de 4 à 6 heures de jeu, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous invite cependant à essayer le jeu et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, voir si vous avez des solutions, si vous avez des idées de jeux fan game ou de homebrew. Moi, je ne vais pas vous en montrer plus que cela. C'est un petit peu une découverte pour vous. Je vous invite vraiment à essayer. Tous les liens sont en description. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo fan game. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et me suivre sur Twitter où j'annonce plein de choses parce que je suis présent dessus. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un autre fan game.